Michel Campeau est un sculpteur de la région de Lanaudière. Il sculpte le bois à la manière traditionnelle. Cependant, pour gagner sa vie avec son art, il doit diversifier son travail et produire beaucoup. Aussi, grâce à une machine à sculpter, Michel peut produire rapidement des objets utilitaires, dossiers de chaises et portes d'armoire sculptées. Il en produit de 350 à 500 par semaine. Ici, il affûte des couteaux spéciaux pour qu'ils mordent mieux dans le chêne. Cette façon de sculpter avec la machine demande beaucoup d'adresse et de précision de la part de l'utilisateur. La caractéristique de cette méthode, c'est que le couteau est fixe et que le morceau de bois bouge, tandis que dans la façon traditionnelle de sculpter, c'est le morceau de bois qui est fixe et le couteau qui bouge. Ce n'est pas de la production automatique, car l'artiste intervient et contrôle la machine, ce qui laisse place à sa personnalité dans la façon de travailler les motifs. Cette machine tourne à 19 000 tours minute et s'utilise avec une gamme variée de couteaux, laissant à l'artiste beaucoup de liberté et de fantaisie dans la façon de sculpter, en même temps qu'elle lui permet de travailler rapidement. Les dangers d'erreur sont plus grands de cette façon, mais ils diminuent au fur et à mesure que l'artiste acquiert de l'expérience à l'utiliser. À la décoration d'une porte d'armoire. Comme il se doit, traçage d'un motif préalablement conçu par l'artiste selon des standards établis. Le choix s'est fixé sur des gerbes de blé. On débute le travail avec la machine à sculpter pour dégrossir et faire ressortir l'essentiel du dessin. Remarquez l'habileté de l'artiste à manier ce couteau à sculpter motorisé. Il raffinera le tout à la manière traditionnelle de sculpter.
couteau bien affûté pour la précision de la taille, contrôle de la pression de la main, angle déterminé, effets recherchés font que ces gerbes de blé prendront du volume, du relief, prendront vie et donneront toute sa valeur à cette porte. Malgré son jeune âge, Michel a une grande expérience en sculpture sur bois et un don certain. C'est un véritable artiste. Il a, entre autres, travaillé à la réfection de la chapelle Notre-Dame de Montréal, à la rénovation de la bibliothèque du Parlement d'Ottawa, que nous vous encourageons à visiter lorsque vous en aurez l'occasion. Michel fabrique également des meubles dans la plus pure tradition des styles reconnus. Il donne également des cours de sculpture au service de l'éducation des adultes de la commission scolaire de Le Gardeur. La sculpture sur bois est un art traditionnel toujours populaire au Québec,
Elle a produit plusieurs grands noms et Michel Campeau s'inscrit dans cette grande lignée.